pas. C'est donc quelque chose de tes, dis-toi. C'est pas un partenariat avec Danette. Salut tout le monde! Mise au point, c'est bon. Cheveux. C'est pas bon. Va falloir que j'évite de les toucher parce que je me connais, je vais faire que de les toucher. Mon t-shirt, c'est pareil, je me suis créé en été déjà. Non mais est-ce qu'on en parle? C'est pépite, on peut y aller. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes cheveux et en particulier des tresses africaines que j'ai. Alors, je sais pas comment vous dites, vous, tresses africaines, braid, je sais pas, comment on dit d'autres? Tresse collée à la tête. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça me tient vraiment à cœur, parce que il m'est un peu arrivé une péripétie avec mes tresses. Vous avez vu, ces derniers temps, il y avait pas mal de trucs qui tournaient et tout sur... mais je trouvais sur YouTube et tout, genre la youtubeuse Little Rewarding. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Mais elle a fait des tresses. Et quand j'ai vu sa vidéo, elle avait ses tresses, mais j'ai surkiffé. C'était même vraiment mais super beau, mais waouh quoi, mais waouh. Ça m'a fait mes coups de tête. Et là, j'ai envoyé un message à ma pote, j'ai fait « Ali, je vais me faire des tresses. » Alors, elle m'a fait « Mais n'importe quoi, tu vois, ma cousine, pareil. » Après, Alix, elle a fait « Bon, ok, vas-y, de toute façon, c'est... enfin, tu changes pas tes cheveux. » Et puis, j'avais besoin de changement, j'avais besoin de pas changer ma couleur, de pas changer ma texture, de pas changer tout ça, mais de changer un truc. Vraiment, j'avais trop besoin. Du coup, samedi, fin des cours, début des vacances, je vais à Bordeaux. Il y a mes deux potes qui m'accompagnent. Genre, j'avais rendez-vous vers 10h30, donc dans un salon et tout, vers la Marne et tout. Et pour faire mes tresses, donc j'arrive là, 10h30, pump it up, prêt à avoir du changement sur ma tête. Et là déjà j'arrive, oh, j'ai attendu, allez, sans vous mentir, 2 heures avec un bébé qui pleure. J'étais un peu au bout du rouleau, mais c'est pas grave, enfin je voulais mes tresses absolument, du coup j'étais à mes potes, vous aller faire un tour et tout. Et genre vous revenez, enfin, je vous envoie un message quand je commence et tout. Et là genre vers 12h30, je commence mes tresses. Ouais, 2 heures. Et là... trop fière, je commence, ça commence bien. C'était un peu bizarre au début, ça me stressait un peu. Mes potes derrière, ça les faisait sourire et tout. Et à la fin, mais super contente, mais tellement, mais refaite. Mais trop, de chez trop, mais refaite. J'étais trop contente, j'ai snappé ça et tout, c'était gros changement et tout. Enfin, pépite quoi. Non, je suis refaite. Pas d'autre mot. Et du coup, je suis sortie et tout. Alors au début, je mettais un bonnet. Je me suis vite rendu compte, le bonnet, je sais pas, si j'ai une photo, je vous la mettrai. Je sais pas si elle s'affichera là ou là. Mais ça faisait très Tortue Ninja, quoi. Genre, on voyait tous les petits trucs et tout, ça faisait très Donatello, Leonardo, je sais pas comment il s'appelle. Mais ça faisait super Tortue Ninja. Du coup, j'ai vite arrêté de mettre un bonnet. Et au début, je l'ai porté comme ça. Tout le monde me disait, genre, que ça faisait super bizarre. Parce qu'on m'avait gavé mes racines, si vous voulez. Elle me les a fait super écartées. Enfin, j'en voulais des grosses, mais vu que j'avais pas assez de sous. Parce que j'ai quand même payé 80€. Je suis restée à peu près assise 2 heures pour qu'elle me les fasse. Elle m'arrivait quand même, genre, je sais pas, je dirais là. Elle était plus longue que mes cheveux. Mais elle m'a rajouté des cheveux. Je vais vous montrer. La poche d'extension, il y en avait gavé. J'étais choquée quand je les ai enlevées. Bon, je saute les étapes. Du coup, tout va bien et tout. Et là, le soir, je rentre et là, je sens... ça tire. Mais vraiment, ça tire, quoi. C'est lourd, ça tire, mais bon. C'est pas grave, j'étais trop contente, j'avais payé 80€, j'étais restée assise 2 heures pour des cheveux, je les garde quoi, absolument. Et du coup, le lendemain, genre, non, je crois 3-4 jours après, donc au début, j'ai oublié de préciser, je mettais une sorte de petit bambou là sur la tête, un petit ruban, parce que j'avais vu sur internet que ça protégeait les tresses. Du coup, je le faisais, ah, c'était encore plus lourd mes cheveux, mais c'est pas grave, je voulais absolument les protéger, pas que ça fasse moche. Et là, le lendemain et tout, donc 2 semaines de vacances, je passe, et là, donc 4 jours après, de mes tresses, ma pote elle me dit que j'ai des petits boutons là, des petits boutons et que c'est rouge parce que ça me grattait quand même pas mal. Du coup je fais oh c'est pas grave, je suis rentrée parce que j'étais rentrée dans des bambous et les bambous m'avaient piqué. Mais bon je pense que c'était un petit peu les traits tu vois, mais au fond moi je voulais pas me l'assumer, me l'avouer. Du coup j'étais ah non c'est pas mes tresses, c'est pas mes tresses. Mytho. Et donc petit à petit donc ça passe, mais bon j'ai toujours quelques plaques rouges, ça me gratte et tout. Franchement, je m'attendais à avoir des pellicules plus tôt, c'est-à-dire que genre je me lavais les cheveux à peu près une fois par semaine, parfois deux parce que vraiment j'ai trop l'habitude de me laver les cheveux, ça me manquait. Du coup, 2 fois et tout. Et franchement, je voyais pas mes cheveux étaient gras, enfin personne m'a dit mes cheveux étaient gras, puis ou quoi, enfin franchement, tout était bien. Au bout d'une semaine,
mes cheveux, et eh bien là, la racine, ils ont commencé un peu à repousser. Puis je m'étais pris plus trop mon foulard le soir et tout. Et je dormais comme ça et tout. Franchement, je m'étais habituée à la sensation, à la douleur et tout. Mais en toute honnêteté, genre, j'ai pris un doliprane. Enfin, ça me faisait mal. Enfin, alors, je sais pas ce qui m'est passé par la tête parce que je crois pas un doliprane, ça peut soulager les racines. Enfin, super bizarre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, j'ai pris un doliprane en tout cas, mais ça a pas marché, hein, le fait. Mais bon, j'étais super contente. Je commence après, on va à la plage. Je fais mes petites photos et tout avec mes tresses. Beaucoup trop de flow, mais vraiment, genre au bout de mes deux semaines et tout, super contente de mes stress. Puis à la fin de mes deux semaines, genre il y a eu la rentrée et tout, puis ça commençait à repousser, à être beaucoup moins beau. Je me les attachais mes tresses, je me faisais une queue de cheval avec mes tresses, je me faisais des chignons, des trucs comme ça. Et en fait, mes tresses, elles ont pris la forme de cette couette, du coup je pouvais plus les lâcher. Puis vu qu'on m'avait dit genre ça faisait pas super top et tout lâcher, du coup j'ai un peu arrêté et tout. Mais franchement, attaché, genre quand on m'a vu et tout à la rentrée, tout le monde m'a dit c'était bien et tout, ça m'allait bien et tout, les tresses. Du coup, moi j'étais refaite, en plus j'avais rajouté du blond, donc je paraissais un peu plus blonde et tout. Même ma soeur m'a dit que ça m'a adoucissé le visage et tout. Du coup, pendant un moment dans ma tête, je me suis dit je vais me faire plus blonde, mais bon. Enfin, je vais rester comme ça, on va se calmer, j'ai 15 ans. Et en plus, mes cheveux, je les aime bien en soi. Et du coup, au bout de deux semaines, vient le moment de les enlever, les tresses. Alors là, ça me vient comme ça dans la cantine. Et ma pote elle me fait vas-y enlève-les et tout comme ça on t'aide et tout et tout. Bon ben là je prends ma tresse de devant et là je commence à défaire. Et là je fais oh mon dieu je vais regretter parce que c'était mais super pratique. C'est à dire le matin je me levais, je me les attachais, je mettais du mascara à mon truc et je me cassais en cours. C'était fini campagne. Que alors avec ces cheveux je passe au moins 20 minutes minimum tous les matins pour faire mes cheveux. Donc c'était vraiment un quart de temps phénoménal. Bon. Du coup elle m'aide et là on se met à 10 genre sur mes cheveux et tout à enlever les tresses et ça a passé au moins une demi-heure. Vraiment c'était super long. Du coup j'ai réussi à attraper les extensions. Et non mais quand vous allez voir la truc. Alors déjà je vais vous montrer un truc d'extension si vous voulez, c'était cette couleur comparée à ma couleur. Genre c'était plus clair et en fait l'extension elle, en fait il prend une mèche par exemple, une mèche comme ça. Dès la racine il met des extensions et il tresse avec. Voilà ma poche d'extension, c'est-à-dire que j'ai tout ça. On me demandait pas pourquoi je les ai gardés, parce que je crois que c'est un peu ce qui coûtait le plus cher dans mes trucs. Du coup, je les ai gardés, mais je sais pas si ça se garde, ça se trouve c'est dégueulasse, dites-moi-le. Enfin bref, ma pote m'a dit que c'était dégueulasse de les garder, mais je sais pas, je les ai gardés, je sais pas, peut-être en mode souvenir et tout. Enfin, super bizarre quoi. Bon, bref, et du coup, on se met à les enlever. Et là, mes potes, ils étaient derrière, ils commencent à les enlever. Ils me font purée, mais tes cheveux, Eva, la racine, ils sont gras quoi. J'étais ah ouais, et tout, pourtant je me les lavais et tout. Et là, genre, une tresse de tout derrière, là en bas. Ma pote, elle l'enlève et tout. Et là, un truc vert, de moisi, du pourri quoi, du pourri. Mes cheveux avaient pourri. Vraiment, littéralement. C'est-à-dire, je vais vous mettre une photo, vous allez être choqués. Et en fait, je m'en rendais pas du tout compte. Donc, je les ai enlevés au bout de 4 semaines. Mais c'était le fait de se laver les cheveux. Je me mettais parfois du shampoing sec. Et la transpiration, ah mais horreur, mais vraiment. Et je sais pas, je vais pas assez me les rincer ou quoi. Mais vraiment super bizarre. Du coup, je suis rentrée chez moi, enfin, je les ai enlevés au collège, mais j'avais une touche, je les avais attachés, j'avais super honte sur les côtés et tout, ça faisait sale et tout, j'étais super gênée et tout. Du coup, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bon, mais là, trois shampoings, mais trois shampoings, ça va me faire trop du bien. Du coup, d'abord, je commençais à me brosser les cheveux. Mais un volume, comme ça. Mais vraiment, comme ça le volume, mais un truc de ouf, mais oh mon dieu j'étais choquée et j'ai perdu une touffe de cheveux, mais comme ça la touffe de cheveux, enfin de cheveux bouclés du coup ça faisait tout, mais comme ça la touffe de cheveux, plus la douche, plus là quand je les ai brossés, j'étais au bout du rouleau, mais vraiment au bout du rouleau de PQ, moi je vous le dis. Du coup je les ai lavés et tout, quand je les ai lavés, j'avais l'impression qu'il me restait trois trucs sur la tête, trois pauvres cheveux, genre vraiment, j'avais plus de cheveux, j'avais vraiment cette impression, bah si vous voulez là on dirait que j'ai beaucoup de cheveux, mais vraiment j'en ai vraiment. Genre ils sont pas du tout épais mes cheveux, genre vraiment, genre j'ai pas beaucoup de cheveux en soi. Ah mais je vous jure j'étais au bout de ma vie, genre j'ai pleuré tout, genre je suis sortie de ma douche, j'envoyais un snap à mes meilleurs potes, j'ai fait allez j'ai plus de cheveux, j'ai plus de cheveux et tout, j'avais super peur. Du coup après ils ont bouclé, en toute honnêteté ils sont pas de suite redevenus bouclés normal, vraiment pas du tout de suite, genre hyper chaud, genre vraiment je pense à mis même 3-4 jours. C'est pourquoi genre je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour vous dire vraiment si vous faites des tresses n'abusez vraiment pas sur la durée. On n'a pas des cheveux de fait exprès genre les noirs et tout, pas sur cette comme ça, ceux qui ont des cheveux hyper frisés tu vois, vous voyez vraiment
Ils le font, mais je pense habilement, genre sur un cheveu lisse, j'imagine pas le désastre que ça doit être vraiment. Déjà, moi, au bout de 4 semaines, ça m'a quand même gavé, abîmé les cheveux. Après, je pense que sur le reste, genre en mode dans ma tête, moi, ça allait être cure de sébum, hein, les tresses, mais pas du tout. Mais vraiment, je me suis mis totalement mes trompes. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, franchement, lâche un like, commente, pose-moi n'importe quelle question que tu veux, je répondrai. Et surtout, abonne-toi pour voir mes suivantes vidéos. Et j'ai déjà plusieurs, voire même pas mal de petites idées.